c'est lorsque toutes les cartes corporatives envoyées à Noël par les entreprises se ramassent perdues par la poste. Au lieu de revenir à l'expéditeur, c'est comme un coup de vent qui les amène dans un grenier qui est couvert d'or. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Jimmy. Jimmy s'est étouffé en mangeant un corps de pomme quand il était petit. Donc, il est mort, évidemment. Il est arrivé au paradis par la suite, mais il s'est trompé d'étage dans l'ascenseur et il est arrivé au grenier. C'est pour l'honneur de mon chat. Il s'appelle Grenier et il y avait un collier en or. Donc, c'est des trophées en l'honneur de mon chat. Je pense que les meilleures idées se trouvent dans un grenier. Tu sais, t'es comme avec quelqu'un, c'est un peu louche. Ça sort là, je pense. Ça venait d'une famille qui avait un enfant qui voulait pas vraiment, puis ils laissaient l'enfant caché dans le grenier, puis quand ils ont fini par l'accepter, ils l'ont appelé leur petit bouton d'or. Ça vient pas des lions d'or? Ben, en fait, les greniers d'or, c'est simple, ça vient de mon grenier chez mes parents, avec tous mes trophées de... Toutes les Golden Stars que j'ai gagnées, ils l'ont fait fondre, ils ont fait des greniers d'or avec. Easy as that. Et puis depuis, les greniers d'or existent.